Bonjour mes petits du ciel, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui j'ai fait des petits achats chez Primark et je voulais vous les présenter parce que je suis fan. J'ai acheté du Disney comme toujours, j'adore le Disney. Et un petit truc qui n'est pas Disney, mais voilà, je vais commencer même par ça, comme ça ce sera fait. J'ai acheté un t-shirt chez Primark Mario. Et il est trop magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais le motif il est super beau, j'adore. Et c'est un t-shirt avec la moustache est un petit peu en, je sais pas comment vous appelez, un petit peu en satin, je sais pas, c'est spécial, je l'adore. Voilà. Et j'ai trouvé à Primark à 7 euros si ça vous dit. Voilà. Il y avait même des pulls. Mais maintenant, avec l'été, bah, j'ai préféré un t-shirt qu'un pull. Et les pulls sont un petit peu plus chers. Mais j'ai préféré le t-shirt. Bon, on continue avec du Disney. J'ai acheté. Je n'ai pas d'effet. C'est des pyjamas. Tic et tac. C'est un peu en relief. Ils sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça se présente comme ça. C'est un t-shirt et en pantalon. Ils sont magnifiques. Toujours chez Primark. Je ne fais pas la pub, je vous le dis. C'est juste que voilà. Je trouve un magasin super. Qu'ils ont beaucoup de Disney et pas trop cher. Je l'ai payé pour la preuve. 13 euros pour un pyjama Disney. Je pense que je ne trouverai pas ce prix-là ailleurs. Du coup, voilà. Et le pantalon, je vous montre et on voit des petites. Je vais essayer de le mettre un peu plus, enfin, à l'endroit, mais il y en a de toutes les sortes. Tic et tac, qui se bat pour une noix. Et je trouve ça très joli. Et en plus, c'est une bonne matière. J'en ai déjà acheté et j'adore. Ici, j'en ai un autre pyjama qui est dans le même style, mais avec Stitch. Ici, on voit pas trop bien sa tête, c'est parce qu'il y a le ruban. Mais je les ai pas défaits parce que je les ai achetés hier. Du coup, voilà, je voulais montrer tout attaché, la preuve que n'est pas encore détaché, ouvert, essayé. Le pantalon, c'est aussi un t-shirt et un pantalon. En plus, je trouve les couleurs très jolies, un petit rose. Et le pantalon, il est comme ceci, avec tous des petits stitches et des petits mots que je ne comprends pas. Mais si vous comprenez, dites-le moi dans les commentaires, surtout. Est-ce que vous avez déjà acheté aussi des Disney, des pyjamas chez Primark? Dites-moi dans les commentaires. Alors, dans un autre petit. C'est plus des pyjamas pour le moment. J'en ai un encore, mais je pense. J'ai trouvé un sac Mickey. Il est magnifique, rouge, avec la tête de Mickey. Je trouve ça trop joli. Et c'est une double pochette. C'est bien quand on part quelque part, qu'il ne faut pas prendre de trop. Là, il y a un trou entre les deux. Je regardais. Voilà. Et je trouve ça très joli aussi. Voilà. Alors, on va continuer sur le petit sac Mickey. Tout simple, mais tout joli aussi. Voilà, c'est petit. Vous voyez, la languette n'est pas encore non plus utilisée. Un peu en maille. Et puis, le reste en. Alors, mais c'est trop joli. Vous en pensez quoi? Il est magnifique. Aussi chez Primark. Et j'ai payé 10 euros le sac. Franchement, dites-moi dans les commentaires si je trouverai ce prix-là chez Disney. Et en plus, ils ont le badge Disney. C'est pas des faux. C'est vraiment la marque. C'est vraiment Disney. Et je crois que même à l'intérieur, si je regarde bien, je ne sais pas si vous allez le voir. On va essayer pour faire. Il y a même le petit étiquette Disney, c'est pas de la cacaille quoi.
Voilà. Je ne fais pas de pub, hein, je vous le dis. Alors, j'ai trouvé aussi, je le retire de l'emballage, c'est plus facile, ça se verra mieux. Des petits pins, vous voyez même le prix, c'est pas cher. Clochette, Peter Pan, je ne sais plus son nom. Oh, crochet, la petite, les ailes de clochette, une tête de mort et les chaussures de clochette. Je trouve ça, et c'est des pins. Oui, les pins. Je trouve ça joli pour ma petite collection de fées clochettes. En plus, je trouve ça trop mignon. C'est tout brillant quand vous bougez. C'est trop beau, j'adore. C'est magnifique. Je vous montre un tout petit peu plus près. Ça, vous voyez bien. Ils sont magnifiques. J'aime bien la tête de clochette avec son petit sourire. Voilà. Crochet aussi à une mimique. Une mimique. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Alors maintenant, on va montrer le dernier pyjama. C'est pas le même. C'est un pyjama short à bretelles. Et c'est toujours Stitch. Et c'est un short ici. On va hop enlever comme ceci. Vous allez voir le short. Il est beau. Hein? Et on n'est pas obligé de mettre le short avec le dessus. C'est ça qui est chouette. Toujours la petite languette pour serrer. Et la petite blouse, je trouve ça trop mignon. Quand, comme il commence à faire chaud, c'est l'idéal. C'est avec des petites bretelles. Trop mimi. J'adore les couleurs rose, bleu mauve. C'est trop beau. Je trouve ça trop beau. Bon, il ne me reste pas de grand chose. J'ai trouvé un petit pompon avec la fée clochette pour mettre à mes clés ou en décoration. Je ne sais pas encore si je vais les mettre à mes clés. J'ai peur de casser la petite fée clochette. C'est un genre de plastique dur. Je ne sais pas. C'est trop joli. Regardez, c'est bien Disney. C'est trop mignon. Bon, mon premier sac terminé. Alors, ça, j'ai trouvé, mais super joli. J'ai tellement de trousses à maquillage. Mais c'est toujours des petites que je ne sais pas toujours tout mettre. Et ici, j'en ai trouvé une grande avec Stitch. En plus, les couleurs, j'adore. Bleu, comme ça. Et en plus, elle est grande. Attendez, je vais tout de suite à l'ouvrir. Elle est super grande. Le Stitch, le devant, il est trop beau. J'adore. L'écriture a pailleté comme ça, c'est magnifique. Voilà, c'est compliqué de mettre. Je vais mettre ça par là. Alors, on va continuer avec un petit bijou qui est tout emmêlé, bien sûr. Comme d'hab, ça ne change pas ça quand on achète un truc. Le petit collier fée clochette. Ah, fée clochette. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Avec son nom, comme dans les dessins animés, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais c'est beau. Je ne pense pas que je vais le mettre, mais plutôt en décoration. Quand je trouverai de la place. Alors, un autre truc, ça c'est mon bijou. Je suis trop fan. Un sac. Petit sac. Mon lumière. Fée clochette. Voilà, c'est ça le nom sur le colis. C'est trop. Et en plus, elle est toute des ailes pailletées. En relief. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vous montre. Vous trouvez. Alors, c'est une petite. Je ne sais pas comment on l'ouvre. Voilà, c'est à en tirer. Une petite boîte. Je trouve ça trop mignon, une petite boîte quand vous sortez. Je ne sais pas si vous voyez, il y a encore le petit ticket Disney. Trop mignonne. Trop. Hop. Voilà, et ça se ferme comme ceci. C'est trop joli. Je trouve ça trop beau. Alors, il me reste deux
enfin trois petits trucs. Comme je n'avais pas de sac pour tout emballer, bien sûr, comme d'habitude, je me suis acheté un sac en tissu pour mettre tout dedans. Regardez comme il est beau, la tête de Mickey pailletée rose. J'adore. Et en plus, on peut faire... Ah non, je sais non. Bon, enfin, c'est toute pailletée, j'adore. Je pensais qu'on pouvait. C'est tout simple, c'est un bête sac en tissu qu'on peut récupérer pour toutes les occasions. C'est... J'adore. Alors, j'ai acheté... C'est un parfum d'ambiance que je n'ai pas encore ouvert non plus. De fée clochette. Vous voyez, fée clochette. Voilà. C'est... Par contre, l'odeur, la rose, cachemire, enfin, de la rose, je pense que c'est, ça est beau. Vous voyez, vous avez les bâtons, la bouteille de parfum avec Disney et ces deux clochettes. Et alors, j'ai le même en Bambi, mais ça, c'est pour faire un cadeau. Enfin, j'hésite de faire le cadeau, le garder pour moi, parce que je trouve ça aussi trop joli, de Bambi. J'hésite. Ça, c'est à me voir les prochains jours. Même la boîte, les décorations de la boîte, elles sont magnifiques. Toutes jolies. Vous voyez les écritures. C'est des petits bâtonnets que vous trempez dans la petite bouteille. Et qui sent bon pendant un moment. Voilà. Et je trouve ça trop joli. Maintenant, je voudrais bien peut-être essayer d'en ouvrir une avec vous. Bien sûr, je n'ai pas de petits ciseaux, mais ce n'est pas grave. On va vite s'en sortir. Hop. Voilà. Parce que il colle toujours. Toujours ça parfaitement bien. C'est bien les ongles. C'est agréable. Bon. Vous voyez, ça ouvre comme ceci. Juste un petit capuchon. Voilà la bouteille. Je trouve ça trop joli la bouteille. Elle est belle. Maintenant, je ne sais pas. Comment ça va? Ah oui, d'accord. En fait, vous retirez là, c'est un trou. Il y a un petit capuchon en plastique. Déposer ça pour pas faire de gaffe. On ouvre le petit capuchon de plastique. Vous voyez, c'est pas facile. Oh, ça sent bon. Oh, je me suis mis sur la lèvre. Oui, ça sent bon. Ah oh, oui, ça sent bon. Et vous mettez les petits bâtons que vous avez là. Bien sûr, il faut déballer. Hein. Ils ne sont pas déballés. Vous les mettez, vous les trempez dedans. Le bâton, excusez-moi, va s'imprégner. Et après, ça va s'évaporer dans la maison et ça va sentir super bon. Bon, moi, je ne vais pas laisser ouvert maintenant. Parce que j'ai des petits démons là. Vous ne les voyez pas, mais il y a des petits démons. Sur le côté, qui regarde déjà pour faire des petites bêtises. Mais je trouve ça joli, vous mettez les bâtons, vous remettrez le capuchon et vous trempez les bâtons comme ceci, quoi. Et ça va s'imprégner, et voilà. Mais ça sent bon. Ça sent très bon. Et la boîte est toute jolie aussi à l'intérieur. Vous voyez la forme de la bouteille. On va remettre ça comme ça. Je ne sais plus comment ça rentre. Bon, enfin, soit. On va remettre plus ou moins comme ça. Tant que voilà. Regardez, je vous présente mon petit démon. C'est Zoé, mon petit chat. Mais c'est un petit démon. C'est un petit démon à sa maman. Mais je l'adore. Oh oui, je t'adore. Tu te présentes à nos abonnés? Dis bonjour mes abonnés. Bonjour les abonnés à maman.
Elle n'aime pas tout ce qui est photo, vidéo. Elle n'est pas trop câlin. Enfin, câlin, elle adore faire des câlins. Ah ouais, t'es mise câlin, toi. Mais tout ce qui est photo et tout ça, elle n'est pas trop fan. Bon, elle ne veut pas rester, je la lâche. Ne la forçons pas. Après, elle ne viendra plus. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si dans mes prochains achats de Disney, bien sûr, place folle sur le sac de Primark. Si vos, mes prochains achats Disney vous feraient plaisir en vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous adorez, ce que voudrait avoir. Toujours possible d'aller à Primark. Ils changent tout le temps, mais c'est une gamme de produits génial. Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche à chaque fois que je sors une vidéo, de mettre un pouce bleu, surtout un bleu, pas un rouge. Je préfère un pouce comme ça que comme ça. Enfin, soit. Et je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi. À bientôt!